Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette rencontre autour de la rentrée des essais des libraires de dialogue. Donc Marion, Romain et moi-même, on va vous présenter nos coups de cœur, en tout cas certains de nos coups de cœur de la rentrée 2022 en essais. Et je vais commencer on va d'abord présenter la structure. On va vous présenter d'abord l'histoire, donc des essais historiques ou des livres d'histoire, puis l'actualité, la géopolitique. Ensuite, nous parlerons de sociologie, d'ethnologie, un petit chapitre sur le féminisme. Ensuite, ce sera l'écologie, la philosophie et une bande dessinée du savoir pour clore cette rencontre. Donc je vais commencer par l'histoire et je vais vous commencer par ce premier titre qui s'appelle La Grande Mère, qui est un beau pavé mais essentiel puisque depuis 1947 et Brodel, on n'avait pas eu une somme telle sur la Méditerranée, la mer Méditerranée dans l'histoire. Et contrairement à Brodel qui lui s'était appuyé sur la géographie des lieux, l'auteur David Eboulafia, parce qu'il est anglais, il est chercheur à l'université de Cambridge, et lui va entrer dans le récit de cet espace qui couvre à la fois l'Europe, l'Afrique, enfin, qui relie l'Europe, Afrique et Asie, à travers les humains, à travers les peuples. Et quand je dis à travers les peuples, ça va être parfois à hauteur d'homme, avec les marchands, avec les militaires, avec... Donc il va avoir un travail comme ça historique important autour de cette mer, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Alors le livre en plus est richement illustré, il y a plusieurs cahiers ou photographiques ou avec des cartes, si tu veux montrer Marion. Donc ça permet aussi d'avoir des visuels et des respirations dans cette somme essentielle pour comprendre pourquoi cette mer joue et a joué un rôle important pour nous ici, mais aussi pour toutes les civilisations ou les peuples de la Méditerranée. Donc voilà, c'est un ouvrage que je trouve important pour bien comprendre cet espace et ses peuples. Voilà, et je passe la parole à Marion. Bonsoir. Donc moi, je vais commencer par sans doute le livre qui m'a le plus plu de la rentrée littéraire. C'est une biographie, et pas n'importe quelle biographie, c'est celle de Gengis Khan, écrite par Jack Weatherford. Alors Jack Weatherford, c'est pas un historien, c'est un anthropologue, et c'est là toute la force de la biographie, c'est-à-dire qu'il va pas nous faire une biographie factuelle, nous disant il s'est passé ça à telle date, il a fait ça de cette façon. Il va vraiment nous faire vivre auprès des tribus mongoles, auprès de Gengis Khan, et il va nous montrer en quoi Gengis Khan est quelqu'un de complètement étonnant à part entière. Il va remodeler complètement un empire qui était basé beaucoup sur la famille, sur les liens de sang et de parenté, et il va complètement démolir ça pour faire quelque chose de plus basé sur la loyauté, c'est un technicien et un tacticien de génie. Il va instaurer des lois assez modernes pour l'époque, avec une liberté religieuse par exemple pour tous les Mongols, avec une interdiction de rendre les Mongols de soumettre les Mongols à l'esclavage, où il va empêcher l'adultère, empêcher le vol. Donc c'est quelqu'un d'assez visionnaire. Et ce qui est assez fou dans ce livre-là, c'est qu'on va plonger vraiment avec Gengis Khan et toute sa famille dans la grande, grande histoire qui fait vraiment... qui balaye tout le monde connu de l'époque, de la Chine jusqu'à l'Europe, en passant par l'Asie. Et c'est une biographie qui était parue en 2004, et qui est bien seulement d'être traduite en français, et ce qui fait, c'est vraiment un livre qui a fait date pour tous les historiens qui se sont après intéressés à Gengis Khan. Donc je vous le conseille vraiment vivement, ça se lit très très facilement en plus. Bonsoir, ça marche ? Oui, c'est bon. Alors, un de mes premiers coups de cœur de cette rentrée, c'est L'épicerie du monde, qui est un ouvrage collectif sous la direction de Pierre Singer Ravelou et Sylvain Vénère. Et il est 18h, donc bientôt vous allez rentrer chez vous, vous allez ouvrir vos placards, en fait, parce qu'il faut bien manger. Et dans vos placards, vous allez trouver énormément de produits que vous allez retrouver là-dedans, du curry, des glaçons, du cassoulet, etc., etc.
ils vont nous raconter à travers donc, ces 60 à peu près contributeurs qui nous racontent 60 produits du quotidien, comment la mondialisation a changé ces produits. À chaque fois, pour chaque produit, vous avez 2-3 pages qui se lisent extrêmement facilement. Pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de cuisiner en même temps. Vous laissez votre petit plat au four et puis vous lisez une page, deux pages sur le produit que vous êtes en train de cuisiner. Et ça fonctionne parfaitement. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous allez avoir, après chaque chapitre, envie d'aller plus loin, parce que chaque contributeur va nous inviter en fait à aller voir d'autres livres, des sites internet, des vidéos pour comprendre ce qui compose notre monde et surtout nos placards, et ça donne faim. Bon appétit. Alors moi je vais remonter dans le temps parce que je vais vous parler des Vikings avec ce livre qui s'appelle « Les enfants du frêne et de l'orme » de Neil Price. Neil Price, c'est un archéologue, il est professeur à l'université d'Uppsala en Suède, et lui, il va s'appuyer sur les recherches les plus récentes pour repenser l'histoire des Vikings et montrer que c'est un peuple bien plus complexe qu'il ne peut apparaître dans certaines séries télévisées, notamment. Et il va s'appuyer évidemment sur l'archéologie, l'histoire, mais aussi sur les récits de littérature norroise. Il va inviter les lecteurs à découvrir les mentalités et puis surtout l'univers spirituel des Vikings, puisqu'on va se rendre compte que si ce livre s'appelle « Les enfants du frêne et de l'orme », c'est tout simplement parce que les Vikings sont persuadés d'être les descendants de deux morceaux de bois flotté qui vont être transformés par les dieux en Ask l'homme et Embla la femme, d'où ce nom de les enfants du frêne et de l'orme. Et ça, c'est vraiment essentiel pour eux, c'est montrer que tout repose sur la religion, la spiritualité, et qu'ils vivent au quotidien avec cet univers qui nous échappe, et ça, il le démontre très bien, Neil Price, dans son ouvrage. Encore une fois ici, très beau cahier central. Si tu veux montrer, alors il y a des tableaux, il y a des cartes, etc., qui montrent bien l'évolution aussi de ces peuples qui, à partir entre le 8e et le 11e siècle, bien sûr, vont venir jusqu'en Europe, en Asie, aux Amériques. Et voilà, donc il y a ce qui est aussi intéressant pour mieux comprendre, c'est un certain nombre d'illustrations et un cahier central qui est superbe. Voilà, ça s'appelle Les enfants du frêne et de l'orme de Neil Price. Alors ensuite, moi, je voulais vous parler d'un livre que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, que je vais d'ailleurs mettre sans doute au catalogue de Noël. Ça s'appelle « Les Français dans la guerre, archives du quotidien » et c'est écrit par Bénédicte Vergès-Chagnon. Alors Bénédicte Vergès-Chagnon, c'est une spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. C'est une spécialiste notamment de la collaboration et de l'occupation. Elle avait fait une biographie très, très renommée de Pétain, enfin très reconnue en tout cas. Et vous allez me dire pourquoi encore un livre sur la Seconde Guerre mondiale, quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu. En fait, là, l'intérêt, c'est que c'est des documents, des archives qui sont beaucoup inédites et toutes originales. Enfin, les archives sont toutes des documents qui montrent le quotidien des Français de l'époque, c'est-à-dire de tous les Français. On va avoir aussi bien un poème d'un jeune homme qui fait un portrait, un poème en tout cas à la gloire du maréchal. Et à côté, on va avoir le témoignage d'un jeune homme, d'un jeune adolescent qui part à la mort, en fait, qui va être fusillé parce que résistant. Donc on a un peu tout. On a aussi des photos du camp d'Émile, d'emprisonnement en tout cas. Vous allez aussi avoir des lettres qui recensent les rafles, qui recensent aussi les mutineries qu'il peut y avoir dans les camps de prisonniers français en Allemagne. Donc vous allez avoir vraiment un panel assez général de tout ce qui peut faire le quotidien des Français à ce moment-là. Et c'est magnifique. C'est vraiment des documents. On peut tous les lire. Tout est intéressant. De la photo au document officiel, c'est quelque chose que je conseille. En plus, le texte est là. Mais il laisse la place vraiment au document. Il est juste pour situer en fait les grands événements, sans aller dans le détail. Et pour moi, on peut mettre ça entre les mains d'un enfant de 4e, 3e, qui déjà s'intéresse au sujet. Alors, pour ma part, je vais vous emmener dans des pays dont on parle actuellement. Tout d'abord, la Grande-Bretagne et la Russie. En tout cas, nous sommes dans les années 30.
Donc c'est un livre, pardon, Les espions de Cambridge de Rémy Kaufer. Rémy Kaufer qu'on connaît assez bien en fait dans le rayon parce que c'est, il est considéré comme un des grands spécialistes du renseignement et des services secrets. Et donc là, son récit, c'est donc une histoire assez fascinante. Donc les espions de Cambridge, c'est une bande d'étudiants donc à Cambridge dans les années 30 qui vont être proches des idées communistes. Leurs idées en fait va les amener à être embauchés par l'URSS pour devenir espions. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces hommes vont grimper, enfin en tout cas occuper des postes extrêmement importants, notamment dans le MI5, c'est ça, britannique. Et ils vont livrer, pendant la Seconde Guerre mondiale et au début de la guerre froide, énormément d'informations compromettantes pour le bloc de l'Ouest. Alors c'est une histoire totalement ahurissante, moi, que je ne connaissais pas. Et après, en me renseignant, j'ai vu que notamment le grand John Le Carré l'avait utilisé dans ses romans, ce qui paraît logique. Et God Save the King. Alors ensuite, je voulais vous présenter deux livres un peu similaires, que sont celui de Annette Wieworka et celui de Sonia De Villers. Similaires parce qu'elles vont toutes les deux en fait aller sur les traces de leur famille, de leurs familles respectives. En fait, c'est là où on voit deux livres qui vont faire la petite histoire dans la grande histoire. Comment est-ce que leurs familles ont été vraiment touchées par la grande histoire? Donc le premier, celui d'Annette Wieworka, est un livre qu'elle a longtemps voulu écrire. Depuis toujours, en fait, elle accumule des archives sur son grand-père, Wolf Wieworka, qui était un écrivain, qui a écrit deux titres, un intellectuel en tout cas. Et à la mort de sa tante en 2012, qui est décédée sans descendance et qu'elle aimait beaucoup, elle s'est dit que vraiment il fallait faire ce livre. Mais il a fallu attendre le confinement, de se retrouver seule dans son appartement avec toutes ses archives pour vraiment se décider à écrire ce livre. Et pour écrire cette histoire, elle va partir avec toutes les armes qui sont à sa disposition, à savoir sa méthode d'historienne, sa connaissance des archives, sa connaissance aussi du sujet, et puis le réseau qu'elle a. Et donc elle va expliquer la vie de ses grands-parents juifs, donc les deux familles, la famille maternelle et la famille paternelle, leur arrivée en France dans les années 20, la Shoah qui bouleverse tout et leur retour difficile. Donc on peut vraiment comprendre que ce livre-là, c'est une sorte d'accomplissement. C'est son livre ultime, en tout cas. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en parallèle de l'enquête de Jablonka, qui avait fait l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Et que je n'ai pas connu, pardon, ou alors Le Retour à Lemberg, par exemple, Le Retour à Lemberg, ouais, de Philippe Sand. Et à côté de ça, vous avez Sonia De Villers, la journaliste de France Inter, qui elle aussi décide d'aller enquêter sur sa famille, parce qu'elle a une histoire familiale qui est assez lacunaire. Elle sait que ses grands-parents viennent de Roumanie, que sa mère est née en Roumanie. Mais il y a plein de blancs dans son histoire. Donc elle décide de combler ces blancs, elle décide d'aller voir dans les archives roumaines, d'aller voir auprès de tous les gens qu'elle connaît, en tout cas qui viennent de Roumanie, de tout son réseau, qui étaient ses grands-parents. Et dans les archives, elle voit que sa famille est issue de la bonne bourgeoisie, en tout cas, de Bucarest, qu'ils ont plus ou moins bien passé la guerre, c'est-à-dire que personne n'a été inquiété autour d'elle, en tout cas dans sa famille, par les nazis, et que ses grands-parents ont bien prospéré sous le communisme jusqu'à un point où ils ont dû s'enfuir. Et pour la fuite, en fait, ils ont décidé de faire appel à un passeur, et le passeur va les exporter. Les exporter, alors le terme est un petit peu étrange, mais ça veut dire en fait qu'il les a troqués contre d'autres choses. Comme des marchandises, il les a échangées contre du cochon, contre plein de cochons. Pourquoi des cochons? Parce que c'est ce dont la Roumanie avait besoin. Ils n'avaient en échange qu'à leur donner, entre guillemets, les juifs. Ils avaient besoin de matières premières et de devises, et donc c'est leur seule richesse à ce moment-là, c'était les juifs. Donc c'est un récit journalistique qui est très vivant et qui n'est pas dans le jugement. Elle est juste là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ses grands-parents sont arrivés jusqu'en France.
Alors là, cette fois, je vais vous parler donc de, tu l'as cité, donc Philip Sands, qui sort un nouveau livre, La dernière colonie, chez Albin Michel. Il nous parle de l'archipel du Chagos. Alors, cette histoire, moi, je la connaissais via un très, très bon roman qui était sorti il y a quelques temps, Rivage de la colère de Caroline Laurent. Donc, il nous raconte l'histoire de, donc, des Chagos, de ses habitants, surtout. Nous sommes dans les années 60. L'île Maurice obtient son indépendance, dont cet archipel également. Mais le gouvernement britannique, en fait, va imposer, durant les tractations, la mainmise, en fait, sur cet archipel. Et surtout, et pourquoi en fait ils vont faire ça ? C'est parce que l'une des îles va être utilisée comme base militaire pour les Américains. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des gens qui habitent là. Et donc, il faut vider ces personnes. Philip Sands, il rend hommage à tous ces habitants qui ont été, qui sont partis, à qui on a fait oublier leur passé, malheureusement. Philip Sands, il est important en fait dans cette histoire parce qu'en fait, et je ne le savais pas, il a été avocat, il a défendu en fait ses habitants auprès des Nations Unies pour faire reconnaître le crime contre l'humanité. Et grâce à lui, en fait, depuis quelques années, en fait, on commence à parler de cet acte odieux de la part en fait de la Grande-Bretagne et des Américains. Voilà, extrêmement touchant. Après Philip Sands, on va rester dans un archipel, mais pas le même. On va parler de l'Indonésie avec la nouvelle enquête historique de David Van Reybroek, puisqu'il est belge en fait. Van Reybroek, il y a 10 ans à peu près, il avait écrit une somme incroyable sur le Congo, qui a vraiment été un livre marquant en termes de recherche historique. Il va adopter la même démarche, c'est-à-dire qu'il va à la fois faire un travail d'historien, mais aussi un travail d'enquête de terrain, où il va interroger des tas de personnes. Il est allé au Japon interroger des gens qui ont entre 85 et 103 ans pour avoir leur propre témoignage sur ce qu'ils ont vécu, parce que Van Reybroek va raconter ici la décolonisation de l'Indonésie, qui, rappelons-le, est quand même un archipel de 13 000 îles, enfin entre 13 et 18 000, parce qu'ils ne savent même pas combien exactement d'îles il peut y avoir, et puis entre la marée haute et la marée basse, ce n'est pas tout à fait le même nombre d'îles. Et puis, c'est le quatrième pays en termes de démographie, à l'échelle mondiale quand même, c'est un gros, gros pays. Cet archipel donc, obtient son indépendance officielle, en tout cas, le 17 août 1945. Sukarno déclare l'indépendance de l'Indonésie, qui avait été occupée longtemps par les Néerlandais, puis les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand les Japonais capitulent, Sukarno déclare l'indépendance, sauf que les Néerlandais reviennent, et pendant 4 ans, il va y avoir la guerre d'indépendance. Monstrueuse. C'est monstrueux, la guerre d'indépendance des Néerlandais. Ils ont été hyper violents. Et voilà. Donc, Van Reybroek va à la fois essayer de raconter l'histoire de la colonisation et la décolonisation de l'Indonésie, notamment montrer que depuis les années 1910, il y a plusieurs vagues de tentatives d'émancipation. La première, dans les années 1910, c'est via l'islam. La deuxième, dans les années 20, c'est via le communisme. Et la troisième, dans les années 30, c'est via le nationalisme. Et c'est seulement à partir de 1945 que ce pays obtient son indépendance. Et c'est essentiel pour nous aussi, Européens, parce que ça va être le premier pays à obtenir son indépendance et que ça va avoir un effet domino sur tous les pays d'Afrique et d'Asie. Et c'est à ce moment-là que l'Europe va arrêter de dominer le monde. Et c'est grâce à cette révolution indonésienne qu'on va voir, par effet domino, tous les pays obtenir leur indépendance. Donc c'est un travail qui est à la fois à hauteur d'homme, puisqu'on a tous ces témoignages, et en même temps qui permet d'avoir et l'histoire de l'Indonésie et l'histoire du monde. Donc c'est vraiment très, très ambitieux. Mais en plus, il y a la plume de Van Reybroek qui est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc, c'est un livre que je trouve essentiel parce qu'on méconnaît totalement l'histoire de l'Indonésie. Ça permet aussi de se resituer par rapport à ce pays qui est énorme à l'échelle de la planète et qu'on connaît peu, en fait, ou pas du tout. Donc, voilà. Ça s'appelle Révolucy. C'est le nom de la révolution de ce moment-là, des 45-49, en Indonésie. Et enfin, pour en finir avec l'histoire, donc c'est le livre qui m'a plu, c'est Les Otages de Taina Tervonen, dans la très bonne maison d'édition Marchiali. Ils font à chaque fois des
des très belles enquêtes. Donc Taina Tervonen, elle est journaliste. Elle nous embarque sur les traces d'un trésor, un trésor qui a disparu, qui a été volé plusieurs fois. Tout d'abord, nous sommes en 1890 avec les troupes françaises de Louis Archinard qui prennent Ségou, une ville à l'ouest de l'Afrique, dans l'actuel Sénégal. Là, en fait, vont être volées donc de multiples choses, et notamment des bijoux et un sabre. Ça va être ramené en France. Ce sabre va connaître plusieurs vies. En tout cas, il va passer comme ça dans plusieurs villes, plusieurs mains. Et ça nous amène notamment à aujourd'hui, avec un débat qui traverse notre société sur en fait l'art en fait africain. L'art africain doit-il être rendu en fait aux pays qui ont été volés? Voilà. Donc ça nous parle de ça, de la restitution des biens culturels en Afrique, de la violence coloniale, et tout ça en fait avec un livre aux multiples rebondissements, donc qui se lit vraiment comme un bon roman d'aventure en même temps. Alors ensuite, je vais commencer par vous parler pour l'actualité d'un livre plus qu'actuel qui s'appelle « Jamais frère ». Alors c'est une question et c'est important. C'est un livre de Anna Lebedev. Anna Lebedev est une jeune femme qui est née en Russie, à Moscou, pendant l'URSS, hein, et qui habite aujourd'hui en France, qui est nationalisée française et qui a travaillé longtemps en Ukraine. Elle travaille notamment pour Mediapart, mais pas que. Elle est très active sur Twitter. Elle est sociologue, politologue. Et dans des courts chapitres ici, elle va analyser les ressemblances et les différences entre l'Ukraine et la Russie. D'où la question. Et c'est assez intéressant de voir, elle va prendre des sujets très classiques, comme l'histoire, par exemple, pour montrer en quoi ils n'ont pas la même démarche historique, tous les deux. C'est-à-dire que l'Ukraine va avoir tendance à, de plus en plus, se confronter à son passé, notamment à son passé un petit peu sombre, parce qu'il faut savoir que beaucoup de dirigeants ukrainiens ont collaboré avec le nazisme. Et la nationalité du coup ukrainienne est un petit peu embêtée, si vous voulez, par ce passé un peu trouble. Et elle arrive quand même, malgré tout, à cette nation ukrainienne aujourd'hui à vivre avec ce passé dérangeant, chose que la Russie ne fait absolument pas. La Russie, elle le démontre, va occulter complètement les périodes sombres de l'histoire et glorifier uniquement la victoire en fait du soldat soviétique. Elle va aussi s'interroger sur savoir si c'est un seul et même peuple, parce qu'ils ont une langue commune, la langue russe. C'est une langue qui est fortement parlée en Ukraine. Mais est-ce que ça suffit pour dire que c'est un même peuple? Elle le montre que non, parce que là encore, l'Ukraine arrive à faire quelque chose que la Russie n'arrive pas, c'est-à-dire à bannir de toute la violence institutionnelle, toute la corruption de ses politiques. Elle arrive à travailler en tout cas là-dessus, à faire des lois et à légiférer sur ce sujet, chose que la Russie encore n'arrive pas à faire. Donc, c'est un petit peu plus partisan, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu quand même pro-ukrainienne, mais en ayant quand même des idées sur la Russie qui sont assez objectives, c'est-à-dire qu'elle source tout, elle montre absolument tout. Et elle montre bien que c'est la guerre qui va diviser plus que jamais ces deux nations et que c'est la guerre, pas forcément le Donbass, ni pas forcément Maïdan, qui avait commencé juste à faire germer, mais c'est vraiment l'invasion de 2022 qui va bouleverser complètement ces deux peuples qui se connaissent finalement assez mal et qu'on connaît aussi assez mal. Donc c'est vraiment très simple d'accès, c'est très court, et ça éclaire énormément sur ces deux peuples. Pour rester avec dans l'actualité, mais cette fois avec un œil dans le rétro, c'est le livre de Gérard Haro, Histoire diplomatique. Et Gérard Haro, en fait, on le connaît parce que début 21e, il a été 21e siècle, je précise, a été ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, donc de coins assez importants pour un diplomate. Et ce qui m'a intéressé en fait dans ce livre, c'est que Gérard Haro, il va prendre en fait plusieurs éléments du passé où la diplomatie a fait ses œuvres pour les comparer aux conflits actuels ou en tout cas nos conflits proches. Donc par exemple, ça va aller de Louis XIV au canal de Suez, en passant par le traité de Versailles.
Et ce qui m'a plu, c'est comment Gérard Harrou nous partage en fait son érudition, son amour de la diplomatie, l'art de résoudre voilà, ces conflits entre les pays, comment les mécanismes se forment, comment en fait, on tente de trouver grâce à la diplomatie également des repères en fait, dans ce monde qui bouge. Voilà, ça permet quand même d'y voir un peu plus clair par rapport à ce métier qu'on voit en fait un peu partout sur les plateaux de télévision. Et voilà. Merci. Alors ensuite, moi je vais vous présenter un livre qui sort demain, il me semble, qui s'appelle L'Empire de la douleur. C'est un livre que j'ai tout juste commencé. Enfin, je suis au tiers du livre, mais déjà, il me plaît énormément. Et surtout, l'auteur, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Patrick Radenke. C'est son deuxième livre en français. Et c'était l'auteur d'un livre que j'avais particulièrement aimé en 2020, qui s'appelait Ne dis rien, qui était sur le conflit nord-irlandais. Et là encore, il va décider de faire une enquête complètement monumentale sur la famille Sackler. Alors, la famille Sackler, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une famille qui est une des plus grosses fortunes aux États-Unis, vraiment dans le top 10 de Forbes. Et il va raconter l'histoire de cette famille, de son patriarche, notamment Arthur, et de tout ce qu'il a fait pour bâtir un empire. Alors, un empire qui n'est pas basé sur le pétrole ou sur l'acier ou sur non qui est basé sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué qui est basé sur la vente de médicaments et cette famille là est à l'origine notamment du Valium et de la prescription à haute dose de l'oxycontin. L'oxycontin, c'est ce qui va amener, c'est ce qui va être prescrit très fortement dans les années 90 par les médecins pour toutes sortes de douleurs. C'est un antidouleur, mais c'est un antidouleur qui crée une forte dépendance qui conduit très souvent à l'héroïne ou à d'autres drogues beaucoup plus dures et qui est aujourd'hui à l'origine de la crise des opioïdes aux États-Unis. Et donc, il va plonger dans cette histoire familiale, voir comment a pu se passer cette crise et surtout voir leur culpabilité ou pas, voir comment est-ce qu'ils ont monté tout ça au détriment en fait des vies et des valeurs de beaucoup. Donc c'est effrayant, c'est effarant, mais c'est surtout très très bien écrit. Et c'est une enquête sur le temps long une enquête sur 5 ou 6 ans. Je crois qu'il a commencé son enquête en 2015 et qui peut vraiment se rapprocher des enquêtes que peut faire Florence Aubenas par exemple en France. Donc je suis en cours, mais franchement, ça, c'est assez, c'est déjà très addictif et en plus très très effarant. On va quitter l'histoire et les gros pavés, parce que là il y a eu quand même pas mal de gros pavés. Et là, je vous présentais donc en sociologie un tout petit livre qui paraît chez Libertalia, qui s'appelle Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, qui est un petit livre écrit par l'un des grands spécialistes français du monde du livre et de la lecture, qui s'appelle Jean-Yves Mollier, qui a déjà écrit de nombreux livres sur la question. Ici, il va revenir vraiment sur la façon dont, depuis quasiment l'origine, hein, puisque même Charles Baudelaire, déjà en 1861, se plaignait de la concentration dans le monde de l'édition. François Mauriac, un siècle plus tard, continue, et on en est encore à cette question de plus que jamais d'actualité, de la concentration dans le monde du livre. Il va retracer d'un point de vue historique toutes les concentrations de maisons d'édition, donc depuis Hachette, Editis, Média Participation, qui dans les années 80, par exemple, a chopé à une idéologie proche de la papauté, a voulu assainir le monde de l'édition, mais concrètement, donc ça a échoué, mais il y a eu une volonté de la famille Montaigne, notamment, donc il explique ça très bien, donc ce type de mouvement au sein de l'édition. Donc évidemment, il y a des concentrations d'un point de vue économique et financier, des mouvements qui permettent des réductions de coûts. Et souvent, c'est l'humain qui en fait qui en fait les frais. Merci, Romain. Évidemment, ça permet aussi un contrôle des œuvres, ces concentrations-là. On le voit encore dernièrement avec un livre qui vient d'être interdit par le propriétaire d'un grand groupe, hein, donc parce qu'il était en désaccord avec ce que ce livre présentait de son groupe. Donc c'est une forme de censure violente. Et puis évidemment, l'idéologie politique. On a vu aussi, peut-être le même d'ailleurs,
qui a voulu soutenir un auteur dont le livre soutenait une idéologie. Donc voilà, ça montre aussi que le monde de l'édition, par ses concentrations, peut avoir des incidences sur nos vies, à nous, au quotidien. Donc je trouve que c'est un petit livre essentiel qui permet aussi de retracer toute l'histoire de ces maisons d'édition depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Voilà, ça s'appelle La concentration dans le monde du livre et c'est publié chez Libertalia. Alors on reste dans les essais brefs avec le livre Redonner du sens au travail dans la très très bonne collection La République des idées au Seuil. C'est des petits livres de 200 pages à peu près. Et là l'idée c'est Thomas Coutreau qui est économiste et statisticien et Coralie Pérez qui est sociologue et économiste vont réfléchir vraiment au sens qu'on donne aujourd'hui au travail. Alors, avec les confinements, le travail dit essentiel, le travail de nécessité, mais aussi la grande démission, dont on entend beaucoup parler aux États-Unis, mais qui est aussi présente en France, avec les questions écologiques également, l'éthique. Je trouve que c'est intéressant de lire ce genre de livre pour essayer de resituer un petit peu le travail. C'est très bien documenté. Il y a plein de graphiques qui sont très simples à comprendre. Il y a beaucoup de témoignages aussi qui illustrent les propos de l'auteur et il montre en quoi le sens du travail pour eux c'est quelque chose d'important parce que ça transforme l'individu lui-même en développant ses capacités, mais ça transforme aussi le monde qui nous entoure. Il faut faire attention, d'où toute l'éthique autour de l'environnement notamment et l'éthique sociale, et c'est aussi quelque chose qui transforme nos relations humaines. Donc il montre vraiment que le sens du travail, ce n'est pas une donnée futile. Et il décrypte les nouvelles façons de faire de nouvelles tentatives de créer du travail sensé, comme les coopératives, l'entreprise libérée, ce genre de choses. Et il dénonce un petit peu plus tout ce qui est le management par le chiffre, ce qu'ils appellent le management par le chiffre. Donc voilà, c'est très facile à lire, c'est très accessible et ça redonne vraiment une bonne idée de ce qu'est le travail. Alors, une autre sorte de travail, parce que c'est ce qu'ils recherchent. C'est donc un livre que j'ai adoré, c'est Voyage au pays des boxeurs de Loïc Vacan. J'attendais énormément, parce que Loïc Vacan, en fait, il est monté sur le ring de nos rayonnages grâce au livre Corps et âme, carnet ethnographique d'un apprenti boxeur, où il nous racontait en fait son expérience. Il était étudiant à Chicago. Il a poussé la porte d'un club de boxe grâce à un ami dans l'hyperghetto en fait de Chicago, donc club de boxe afro-américain. Et là, il a découvert un monde qui l'a happé. Il a appris ses codes, il a observé, il s'est fait boxeur. Et c'est toute son expérience qui nous est racontée. Et dans celui-ci, c'est un peu, j'ai retrouvé un peu l'essence de ce livre dont je vous parle, Corps et âme. Et c'est ça qui m'a énormément plu. Et en plus, c'est accompagné des photos. Voilà. Des photos de Loïc Vacan qui nous montrent comment en fait, la boxe, ses valeurs, ses valeurs. Et les photos sont importantes parce que voilà, ce qui est important dans la boxe, c'est le corps aussi, de voir comment le corps se tend. Et pour revenir au mot travail, parce que c'est un travail du corps, en fait, la boxe, un travail de l'esprit. Et c'est ce que Loïc Vacan, en fait, nous raconte. Voilà, je ne peux que conseiller, si vous avez vrai, moi je suis assez fanat de sociologie du sport. Et voilà, j'ai été juste enchanté par ce monsieur. Merci Romain. De rien. On y va. À bientôt sur le live. On va, pour terminer dans cette partie sociologique, je vais vous parler du dernier livre de François Dupillery, qu'on va avoir la chance de recevoir le 20 octobre prochain à la librairie, puisqu'il est canadien. Il va faire une petite tournée en France et une des dates sera ici à la librairie Dialogue. C'est plutôt une satisfaction. Il avait écrit déjà sur l'anarchie ou sur les masculinités, hein, c'est quelqu'un, ou la démocratie. Enfin, c'est un chercheur important au Canada. Il est professeur de sciences politiques à l'UQAM à Montréal. Et dans ce nouveau livre, il va reprendre un peu l'histoire de l'université en France, aux États-Unis et au Canada, et montrer que il y a toute une pensée réactionnaire et conservatrice qui va, pour combattre les idées émergentes de type féminisme ou antiracisme, vont faire naître des néologismes
qui, comme le wokisme évidemment, le cancel culture ou des choses comme ça. Et donc c'est à travers toute son étude, on voit que ces polémistes, souvent des éditorialistes, etc., vont attaquer ces mouvements qui émergent au sein de l'université, puisqu'on a toute une recherche qui naît évidemment par les étudiants. Et on a tous les mouvements de contestation, donc là on en connaît en France, mais il y en a aussi aux États-Unis et au Canada. Et donc il va reprendre point par point comme ça et démontrer que tout est en fait c'est pas si important que le prétendent ces éditorialistes et polémistes, etc. Et que souvent ça n'est là que pour combattre des donc je vous ai parlé du féminisme ou des antiracistes, parce que en fait pour eux ces mouvements-là remettent en question l'ordre établi. Et c'est surtout ça qui est combattu par ces mouvements réactionnaires, ces mouvements de pensée réactionnaires. Donc lui, il déconstruit, en fait, dans ce petit livre, tous ces mouvements-là, toute cette pensée-là, pour dire que en fait, c'est juste instrumentalisé. Et surtout, il crée, comme on dit maintenant, il crée le buzz autour de rien du tout, en fin de compte. Et que ça a toujours existé, parce qu'il remet en perspective ces mouvements, et ça a toujours existé. Et ça a toujours été combattu par les réactionnaires. Donc voilà, c'est un petit livre que je trouve intéressant pour remettre en perspective et un peu faire tomber la pression que mettent certains qui profitent des médias, évidemment, qui sont aux mains des mêmes que ceux qui utilisent dans l'édition. Alors, moi, je vais ensuite vous parler du livre d'Alizée Delpierre qui s'appelle « Servir les riches », qui est un livre vraiment à cheval entre la sociologie et l'ethnologie, parce qu'elle-même est sociologue, mais qu'elle va étudier un microcosme. Ce microcosme, c'est celui des ultra-riches. Donc, elle va essayer, à travers les entretiens qu'elle va faire, elle en fait une centaine d'entretiens, qu'elle fait aussi bien chez les patrons que chez leurs domestiques. Et elle va essayer de montrer en quoi cette relation vraiment de domesticité est importante, idéalisée et de quoi elle est faite. Elle va faire même elle-même une immersion d'un an et 4 mois en tant que gouvernante et aide-cuisinière auprès d'une grande famille. Et elle va montrer que ses patrons, comme ses employés, ont une sorte d'idéalisation vraiment de leur relation. Pour eux, leur relation est vraiment très complémentaire, très saine, alors qu'elle le montre par beaucoup de témoignages. C'est un monde vraiment à part, qui est très hiérarchisé, qui est très genré. Le majordome sera souvent quelqu'un, un homme, alors que et lui, il est vraiment en haut de l'échelle, si vous voulez, des domestiques, alors que la femme de ménage sera souvent une femme issue de l'immigration. Alors que le majordome sera souvent issu des pays occidentaux ou aura parfois fait des études. Donc elle montre toutes ces petites nuances qu'il y a à l'intérieur de ce monde domestique. C'est un monde qui est aussi assez violent et elle le montre. Elle parle notamment d'exploitation dorée, en montrant que sous couvert d'ascension sociale ou d'accès en tout cas à certaines formes de richesse, ils sont... plutôt bien payés, ces domestiques, ils peuvent être payés jusqu'à 4000 euros par mois. Ils sont logés, parce que c'est tout l'intérêt du livre, c'est de voir vraiment les personnes qui sont à domicile, qui sont dans la domus, dans la maison. Cette rétribution veut dire qu'ils sont aussi serviables et corvéables à merci jour et nuit, c'est-à-dire qu'ils doivent être là 7 jours sur 7 et sans avoir aucune vie privée. Donc c'est un livre assez fascinant qui montre un monde qu'on connaît pas franchement très bien et qui est assez... qui n'est pas ni pro ni anti-patronat. C'est pas du tout ça le but du jeu, c'est de montrer vraiment cette relation qui se fait entre ses patrons et ses domestiques, le lien qui peut se créer. Et c'est très facile à lire, c'est agrémenté de plein de témoignages. Alors, également aux éditions La Découverte, dans leur très bonne collection Les Empêcheurs de penser en rond, un livre qui était attendu, c'est le livre de Nastassia Martin, À l'Est des rêves. Nastassia Martin, qui s'est fait connaître tout d'abord... par ses études en Alaska et par un livre assez étonnant, son récit en fait, Croire aux fauves. Et là, justement, ça se passe sur le territoire de Croire aux fauves, donc au Kamchatka, avec donc sa rencontre avec le peuple Even.
Nastassia Martin, c'est donc une des élèves de Descola. On retrouve cette capacité à observer le monde. Là, donc, elle nous transporte dans le peuple Even, qui en fait a connu notamment une crise, c'est la chute de l'URSS et comment en fait ce peuple a réagi par rapport à cette chute. Ils se sont tournés vers la nature et c'est ça en fait qui me plaît en fait dans ce genre, parce que pourquoi en fait aller observer le Kamchatka pour répondre à des crises de nos territoires, c'est justement grâce à ce genre de réponse. Parce que, un peu comme je pense souvent cet exemple-là, en fait, dans le goudron, il y a toujours des fleurs qui poussent. Voilà. Je trouve qu'il y a toujours moyen de voir, en fait, de faire pousser le vivant dans quelque chose qui paraît mort. Et c'est ça que je retiens du monde, en tout cas. On va continuer à voyager, mais dans un monde peut-être plus fabuleux, puisque Olivier Filippona nous invite dans ce livre « Géographie des peuples fabuleux » à partir à la rencontre des Siapodes, Cynocéphales, Patagons et autres hyperboréens. Ces peuples étranges qu'on découvre sur les marches du monde, souvent, des peuples évidemment qui sont sauvages, plus souvent difformes et parfois même cannibales. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être à la fois un voyage dans le temps, puisqu'on va commencer dans l'Antiquité, hein, dès l'époque grecque en tout cas, puisque ces peuples fabuleux sont à ce moment-là signalés, et ils sont toujours comme ça à la frontière, et plus on s'approche d'eux, plus ils reculent. Donc quand c'est plus le pourtour méditerranéen, on va jusqu'en Inde, donc ces peuples-là reculent et on en a des nouveaux qui émergent au niveau de l'Inde. Puis après, quand on a quitté l'Inde, on va aller jusqu'au continent américain. Puis quand on a fait le tour du monde, on va jusqu'au Sélénite et ainsi de suite. Et donc, il montre bien que de tout temps, les êtres humains ont eu besoin comme ça de peuples qui étaient à la frontière, qui étaient menaçants, mais en même temps fascinants, donc vers lesquels on essaye d'aller en essayant de découvrir qui ils sont, tout en les redoutant. Donc c'est fascinant parce que c'est très cultivé. Hein, vous allez découvrir plein de choses sur l'origine de ces peuples-là, et puis comment ils ont été transmis de chercheur en chercheur, de découvreur en découvreur. Les Amazones, bien sûr, qui vont se retrouver sur le continent américain, puisqu'on n'a pas réussi à les trouver vraiment sur le continent européen, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'il y a une quête de l'autre et de l'autre différent. Et c'est à la fois le côté fabuleux et en même temps toute cette réflexion sur le rapport à l'autre qui est développé par Olivier Filippona dans cette géographie des peuples fabuleux. Et voilà, j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup ri aussi parce que vous verrez des peuples incroyables donc on en voit ici certains. Et puis en fait, lui, il a aussi tout un travail sur l'étymologie, sur les langues parlées, sur les territoires conquis, etc. On se rend compte que il y a beaucoup d'affabulation, évidemment, mais et aussi beaucoup de mystères, puisqu'il y a certains peuples, on ne sait toujours pas où ils sont, et on continue à les chercher toujours plus loin et toujours plus haut maintenant. Donc ça s'appelle « Géographie des peuples fabuleux » d'Olivier Filippona. C'est Fort Boyard, je crois, ta phrase. Là. Et je vais rebondir en fait sur une de tes phrases, Mickaël, c'est le rapport à l'autre, avec ce livre qui m'a accompagné... Pardon. Ouais. Non, c'est bon. qui m'a accompagné cet été, c'est Zigan de Patrick Williams, très grand monsieur que j'ai découvert avec ce livre. Malheureusement, je le connaissais pas. Il est décédé l'année dernière. Et en fait, c'est un des grands ethnologues d'Ed Zigan. Ce livre, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est découpé en deux parties. La première partie, c'est sur c'est le récit de Patrick Williams et sa rencontre avec une communauté tzigane de la Creuse. C'est tout son cheminement et ce rapport à l'autre, en fait, justement, cette découverte, cette soif de découverte de Patrick Williams, de s'ouvrir aux autres, parce que et de cette communauté, de s'ouvrir à lui, en fait. Et la deuxième partie, elle est un peu plus technique, scientifique, mais tout aussi intéressante, parce qu'en fait, il pose à plat toutes les connaissances qu'on peut aujourd'hui avoir sur les tziganes, les malentendus également. Déjà, est-ce qu'on peut parler, en fait, d'une communauté tzigane, sachant en fait que c'est des multitudes. Donc comment en fait faire une histoire, faire une sociologie de tzigane alors que c'est multitude.
Voilà, c'est enchanteur, c'est une ouverture sur vers l'autre. Et cet après-midi, je suis tombé en fait sur en voulant voilà me renseigner encore plus sur Patrick Williams, je suis tombé sur un bel article d'un ami à lui et qui parlait d'une phrase, je trouve, qui résume bien à la fois ce livre et donc cet homme, c'est l'intensité de vivre. Voilà. Je vais vous parler maintenant en féminisme d'une somme qui vient de paraître aux éditions de la Découverte. C'est une somme de 4 ans de travail dirigée par Christelle Tarot, qui a réuni autour d'elle plus d'une centaine de chercheuses et chercheurs. Et donc, il nous propose de remettre en perspective le crime de propriétaire, puisque c'est comme ça que c'est défini, de violences faites aux femmes, de féminicides. Et elle va nous montrer que ce crime particulier est ancien, puisqu'elle remonte à la préhistoire, évidemment. Et puis ensuite, elle va remonter jusqu'à nos jours, en passant notamment, évidemment, par la chasse aux sorcières à l'époque médiévale, et aussi au début de la Renaissance, au lynchage des femmes noires dans le sud des États-Unis dans les années 1890-1930, au féticide et infanticide des filles en Inde et en Chine, aux crimes d'honneur dans les pays musulmans, et ainsi de suite. Donc elle va vraiment, sur tous les 5 continents et depuis l'origine, montrer que c'est quelque chose qui est permanent et qui n'a jamais cessé et qui continue de nos jours. Et en fait, c'est un système qui est mis en place, évidemment, hein, un système qui porte le nom de patriarcat, hein, on peut l'appeler comme ça, qui est associé malheureusement au capitalisme et au néocolonialisme avec lesquels ils font corps. Hein, le féminicide fait aussi corps et le patriarcat fait corps avec le capitalisme et le néocolonialisme. Et puis, en fait, elle veut que ce livre... ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des chapitres très argumentés, très structurés, et qui mettent vraiment en perspective chaque partie historique, et qui sont chaque partie est illustrée d'articles de journaux, d'extraits d'œuvres littéraires, ce qui fait que ça donne vie en plus, ça donne corps à tout ce que décrivent les. Il y a d'un côté la recherche fondamentale et de l'autre côté tout ce qui va donner vie, malheureusement, et mort pour le coup, à ces féminicides. Et voilà, donc elle cherche ces femmes-là aussi à ce que ce livre-là devienne un outil pour abolir le système. Et en fait, que ces féminicides, qui soient intimes, familiaux, communautaires ou sociétaux, cessent dans le monde. Donc il y a vraiment une volonté en plus que ce livre-là serve concrètement. Donc je pense que c'est un outil essentiel à diffuser le plus possible, même si, évidemment, ce n'est pas un outil facile d'accès, en tout cas physiquement, puisque c'est un gros, gros pavé. Mais je pense qu'il faut vraiment que tout le monde au moins lise un petit chapitre ou lise une partie, parce que c'est à la fois effrayant et en même temps, on a besoin de remettre ça en perspective. Et c'est un livre qui le fait parfaitement bien. Ouais, je vais montrer quelques extraits. Donc là, on voit par exemple un extrait de Shakespeare sur la mort de Desdémone, parce que ça vient illustrer le chapitre sur les meurtres de masse. On a ici l'esclave blanche et l'esclave noire avec c'est illustré hein, de tableaux ou autres sur la partie génocide, par exemple. On a comme ça des œuvres d'art contemporaine qui montrent aussi, qui illustrent bien. Et alors, il y a des chiffres, il y a des données effrayantes. Hein. Je vous les passe parce que vous les connaissez peut-être, mais le nombre de femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leur conjoint, ou les génocides, les féminicides à grande échelle dans certaines parties du monde. Donc, je trouve que c'est un outil et un ouvrage essentiel pour bien prendre conscience de ce que c'est que ce crime de propriétaire. Et en fait, elle explique ça. C'est parce que l'homme en particulier se sent propriétaire de la femme qu'il se permet ce crime-là. Alors moi, je vais vous parler d'un autre livre sur le féminisme qui est peut-être un peu plus léger, je dirais. C'est le livre de Marie Coq qui s'appelle « Vieille fille ». Marie Coq, c'est une journaliste qui se rend compte progressivement qu'elle rentre dans la case de la vieille fille. Elle a plus de 40 ans, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée. Et elle décide donc de décrypter, de s'intéresser à ce mythe de la vieille fille. Donc elle va s'intéresser à la littérature,
On parle de Bridget Jones, par exemple. Elle va s'intéresser à l'histoire, au Béguin. Un peu comme Mona Chollet l'avait déjà fait dans Sorcière, elle va montrer que la vieille fille est une femme qui dérange parce qu'elle est seule, parce qu'elle montre qu'elle n'a pas besoin ni d'hommes et qu'elle n'a pas besoin d'enfants non plus pour exister. Et elle va montrer dans ce livre-là comment la société le regard en fait de la société sur la vieille fille et comment ça lui pèse. De montrer en quoi elle est inutile, pourquoi elle n'arrive pas comme tout le monde à être aimée, peut-être parce qu'elle ne fait pas assez d'efforts, peut-être. Et donc du coup c'est une réflexion entre essais théoriques, vraiment, où elle va chercher des sources, et essais personnels. Et c'est sur cette injonction vraiment sociale de la femme à trouver quelqu'un, à ne plus être seule. Et aux deux tiers du livre, il va y avoir un épisode, un chapitre qui va complètement bouleverser le livre et éclairer le livre d'une autre façon. On passe en philosophie. On passe comme ça. Donc on va passer en philosophie et on va aller vers quelque chose d'encore plus léger puisque je vais vous parler de l'épicurisme avec ce petit livre vraiment génial. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce petit livre-là de Charles Sonnard qui s'appelle Carpe Diem, petite initiation à la sagesse épicurienne. Même si, comme il commence par le faire, l'épicurisme c'est tout sauf la bamboche. Puisque c'est au contraire la sobriété. Épicure prône la sobriété et non pas comme on a pu l'imaginer les fêtes orgiaques, etc. Donc il commence par mettre à bas cette fausse idée qui est transmise depuis trop longtemps. Et donc il définit trois catégories de besoins, Épicure, hein, les individus. Les besoins naturels et nécessaires, bon, c'est juste les besoins pour vivre, hein, manger, avoir un lit. Les besoins naturels et non nécessaires, la sexualité, par exemple, et puis les besoins non naturels et non nécessaires que sont le luxe, la gloire et le pouvoir. Donc là, il explique ça très bien. Il montre bien que, surtout, l'épicurisme s'inscrit dans le temps, puisque, outre Épicure, hein, on va retrouver des citations, évidemment, de Horace, hein, pour le Carpe Diem, et puis Lucrèce, Virgile, Diogène, et puis des auteurs plus récents, Montaigne ou Baudelaire. Et donc, c'est une façon de démontrer que, contrairement à d'autres courants de pensée, je pense aux stoïciens, par exemple, eh bien, en fait, l'épicurisme est parfait pour essayer d'accéder au bonheur. Voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est Épicure, c'est idéal pour accéder au bonheur. Donc lisez Épicure et puis lisez ce petit livre qui s'appelle Carpe Diem, qui vous mettra de bonne humeur, qui même s'il n'y a pas la bamboche, eh ben, ça restera du bonheur quand même. Voilà, ça s'appelle Carpe Diem de Charles Sonnard aux belles lettres. Je vais rester en philosophie avec un autre auteur, peut-être un petit peu plus difficile d'accès, qui est Peter Zandi, qui lui est musicologue et philosophe. Et qui, lui, va s'interroger sur le pouvoir de la lecture. Dans cet essai fascinant, puisqu'on va découvrir, grâce à Zandi, qu'il y a un pouvoir inhérent à l'acte de lire, et qu'on entend parfois une voix intérieure. Certains vont entendre une voix intérieure, d'autres non, et que ça va accompagner la lecture silencieuse, sauf qu'on va découvrir que la lecture silencieuse date seulement du Moyen-Âge, et qu'avant, il y avait des esclaves, notamment dans l'Antiquité grecque, des esclaves, l'anagnoste, qui était, on le voit chez Platon notamment, qui était chargé de lire. C'était l'esclave lecteur. Donc il y avait des esclaves lecteurs. On l'a lu longtemps à haute voix. C'est seulement à partir du Moyen Âge qu'on a commencé à accéder à la lecture silencieuse. On va voir aussi que, à partir d'anecdotes et de nombreuses lectures, hein, puisqu'il va parler de Platon, de Sade, de Calvino, de Hobbes, enfin, on va traverser les siècles aussi, Walter Benjamin. Il va illustrer tous ces exemples par des lectures concrètes. Il va faire une démonstration que la lecture a un pouvoir. Est-ce qu'on lit consciencieusement? Est-ce qu'on lit de façon dilettante? Est-ce que quand on lit, il dit qu'il y a une espèce de polyphonie à l'intérieur de son cerveau, puisqu'on prête sa voix à l'auteur et on lit pour quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vraiment fascinant la façon dont Peter Zandi s'empare de la lecture et du pouvoir des pouvoirs que peut provoquer la lecture en chacun et collectivement aussi, puisque là je parlais de la lecture à plusieurs personnes. Il montre aussi que il questionne la notion de vitesse de lecture,
Est-ce qu'on lit vite? Est-ce qu'on lit lentement? Est-ce que quand on lit vite, on lit plus attentivement ou pas? Donc il va questionner la vitesse de la lecture, il va questionner l'attention, évidemment, quand on lit, l'implication dans la lecture, chacun, est-ce que chacun s'implique ou pas dans la lecture, le genre. Donc évidemment, il y a un moment, il va parler de notamment de la femme dans la lecture, et puis l'amour et le plaisir de lire, ou pas, parce qu'il montre que certains, pour certains, c'est une injonction de lire, une souffrance même. Quand on est esclave, est-ce qu'on a le choix ? Voilà. Donc il y a toutes ces dimensions-là qui sont présentées dans ce petit essai qui est vraiment fascinant. Il y a un ou deux passages un peu difficiles, notamment quand Lacan vient parler de Sade, par exemple. Il y a un petit peu de psychanalyse lacanienne que je trouvais un peu compliqué, mais en dehors de ça, il y a plein de passages qui sont à la fois drôles et fascinants sur ces pouvoirs de la lecture. Alors, le pouvoir de la lecture, moi, il était dans un train avec ce livre-là, Au cœur de la nature blessée, de Alexandre Lacroix. Alexandre Lacroix, il est directeur de rédaction de ses Philosophie Magazine. J'ai pris du plaisir, en fait, à l'accompagner dans ses expériences personnelles, Alexandre Lacroix. Il part d'un constat qui est, je pense que vous avez bien vu dans les librairies, il y a énormément de livres en fait sur la nature sauvage. Mais est-ce qu'elle a réellement existé en fait, la nature sauvage, sachant qu'on a toujours été dedans en fait. On fait partie de cette terre, nous faisons partie de ce vivant. Finalement, Lacroix, il dit, mais cette nature, il va falloir, elle évolue de toute façon, elle est en train d'évoluer. Et pourtant, il faut quand même qu'on prenne un peu de plaisir, parce qu'on en revient à ça. C'est le plaisir. Du coup, émerveillons-nous. Émerveillons-nous, en fait, de nos paysages. Émerveillons-nous de ces petits moments de grâce, de voir un chevreuil passer dans son jardin. Pourtant, bah, y a sa maison à côté qui peut être... Elle est ce qu'elle est, ma maison. Mais pourtant, ce moment, c'est de la grâce. Et Lacroix, voilà, c'est du livre de philosophie positive sur un sujet qui aujourd'hui est traité de façon un peu trop négative. Et voilà, ça fait du bien de lire ce livre tout assez jovial, j'ai trouvé. On va rester avec Philosophie Magazine, mais avec le pendant allemand, puisque Wolfram Eilenberger, c'est le directeur, rédacteur en chef de Philo Magazine en Allemagne. Et il va reprendre, lui, l'histoire et la pensée de quatre femmes, Anna Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand et Simone Weil. Et il va les prendre sur une décennie, entre 33 et 43, et montrer qu'elles vont toutes les quatre développer une pensée extraordinaire, philosophique. Elles vivent pleinement en philosophie à ce moment-là. Et surtout, elles vont questionner énormément la liberté individuelle, la liberté collective sous pression, puisque elles vont devoir faire face, certaines dans leur chair et dans leur quotidien, faire face aux montées des totalitarismes, c'est-à-dire évidemment le communisme stalinien, le fascisme italien et puis le nazisme allemand. Et donc, à travers ces quatre femmes et ce qu'elles vivent au quotidien, on va voir une pensée émerger, et une pensée parfois contradictoire, parfois convergente, et comment elles se rencontrent parfois, comment elles se nourrissent de la pensée des autres ou en opposition aux autres. Et on va surtout constater que ces quatre femmes sont quatre philosophes essentiels et qu'elles elles sont pas toujours... je pense à Simone Weil, par exemple, qui est une philosophe cruciale, qu'on méconnaît un peu trop, à mon goût, et qu'elles sont toujours des philosophes pour notre temps, à nous. Et il raconte ça très bien aussi, le fait que la pensée qui émerge entre 33 et 43 est toujours d'actualité et peut toujours nourrir la philosophie actuelle. Donc voilà, c'est un livre à la fois biographique, mais aussi qui permet d'accéder à la pensée de ces quatre femmes, Anna Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand et Simone Weil. Alors moi, je vais ensuite vous parler d'écologie avec un livre de Harry Bernas qui s'appelle « L'île au bonheur ». Alors Harry Bernas, lui, il est physicien nucléaire. Il explique que toute sa famille a toujours été autour du nucléaire, enfin en tout cas depuis les années 30. Et il a été perturbé petit par la photo en fait qu'on voit ici, qui est une ombre qui a été photographiée. C'est l'ombre, en fait, c'est après l'explosion d'Hiroshima. C'est ce qu'on a retrouvé des survivants.
c'est-à-dire que c'est l'ombre, c'est une ombre humaine sur sur les marches d'une banque. Et à partir de cette photo, il va développer vraiment son intérêt pour le nucléaire et expliquer là toute l'histoire du nucléaire. Alors il revient autant sur la bombe que sur l'utilisation du nucléaire, que sur Fukushima, et il réfléchit aussi sur l'avenir. Alors le chapitre notamment sur le projet Manhattan est absolument génialissime, il est vraiment très très bien expliqué. Pour moi par exemple qui n'y connais absolument rien en physique nucléaire ou même en sciences déjà, en général, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et son constat est assez effarant sur Fukushima, sur la catastrophe qui aurait pu être évitée et qui peut encore très fortement se reproduire, et sur l'avenir aussi qui est assez incertain, car toutes les forces en fait du nucléaire sont entre les mains de la finance et de la défense, d'où le sous-titre en fait Homme, Atome et Cécité Volontaire. Il pointe vraiment du doigt la cécité volontaire de ses pairs. Donc c'est très 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 passionnant et c'est vraiment vulgarisé. Je vous le conseille fortement. Encore en écologie, c'est le livre de Clara Bretot, Les vies autonomes, une enquête poétique, dans la nouvelle collection Les voies de la Terre, chez Actes Sud. Clara Bretot, en fait, elle est maître de conférence à Paris 8 en écologie et en art, et on retrouve en fait ces deux sujets dans ce livre. Elle nous raconte en fait ses rencontres. Elle est partie en France à la recherche d'habitats autonomes, à la recherche de ses habitants, et savoir ce qui les liait à leur territoire, ce qui faisait leur force. À travers ça, en fait, elle nous montre et elle nous tente de nous amener en fait vers un mot qui m'a fait tilt tout à l'heure, c'est la permanence des lieux, qui est extrêmement importante justement dans ces habitats autonomes et dans ces vies autonomes. Le but de cette permanence, c'est de toucher notre terre, notre présent, et donc se réapproprier nos vies, en fait, tout simplement. Un très beau récit. Et on va clore cette séance par une bande dessinée, très très belle bande dessinée, avec un magnifique dessin de deux auteurs grecs. Il ne faut pas me perdre ma page, puisque ça va être la biographie d'Aristote, qui est quand même il est plus qu'un philosophe, hein, puisqu'il s'est intéressé à tellement de domaines, que ce soit l'astronomie, les mathématiques, il s'est intéressé à la biologie, enfin à tous les sujets, et à travers le regard de Théophraste, qui était son disciple et ami, on va retracer toute l'histoire d'Aristote et surtout de sa pensée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le suivre aussi au quotidien, dans ses amours, dans ses décès, dans tout ce qu'il va vivre. Et la rencontre avec Platon, la rencontre avec Alexandre, puisqu'il va être quand même le précepteur d'Alexandre le Grand. Donc on voit aussi, on suit à la fois l'histoire d'Aristote et puis toute l'histoire de la Grèce de cette époque-là, c'est-à-dire que les luttes avec Démosthène, entre Démosthène et puis Philippe II de Macédoine, par exemple. Donc il y a à la fois l'aspect historique, l'aspect philosophique, évidemment, de comment la pensée d'Aristote évolue, notamment dans sa confrontation avec Platon, et puis aussi le quotidien. Et il y a beaucoup d'humour, donc ce qui fait que ça se lit, on lit ça vraiment avec légèreté et plaisir. Et pour finir cette rencontre, je vais laisser justement cette petite parole à Aristote qui nous dit ceci. La philosophie est belle, non parce qu'on l'enseigne, mais parce qu'on la vit. On fait avec elle ce merveilleux voyage, jalonné sans cesse de nouvelles découvertes. Et je trouve que c'est ça, la philosophie. Et c'est ça que nous propose cette bande dessinée qui s'appelle Aristote et qui est publiée chez Dargaud. Voilà. Bonne découverte.